Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing concernant des figurines Dragon Ball. Donc, hop, comme vous le voyez ici, j'ai fait une petite commande. J'ai eu deux figurines pendant mon anniversaire, donc celle-ci de Son Goku. Et la C18 de la gamme Sculpture. Donc, et comme vous pouvez le voir, j'ai ici un colis avec plusieurs figurines et goodies de Dragon Ball. Donc avec du Vegeta, du Son Goku, j'ai du Trunks Super Saiyan, de la figurine X0, pareil pour du Vegeta, des petits goodies, donc symbole de la Capsule Corp, des pins Dragon Ball que je vous mettrai tout à la fin, un petit Gashiki, je crois qu'on appelle ça, un petit billet de 10 000 zenis aussi que je vous mettrai tout à l'heure en zoom dessus, la petite Bulma qui change de couleur en fonction de la température et la Grandista de Vegeta. Donc je pense pas faire tout ça dans la même vidéo, ça en ferait beaucoup. Je vais en profiter pour faire plusieurs vidéos de tout ce déballage là. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer d'en déballer 4. Donc ce sera les deux figurines, donc C18 Goku. Et j'ai bien envie de déballer la Blood of Saiyan de Vegeta et celle de Son Goku. Pour commencer, ce sera déjà pas mal. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc pour commencer, je vais déjà commencer par vous montrer donc les petits cadeaux que j'ai eu de la part donc de mon vendeur, Gok Luffy. Donc une petite carte, un Gashiki, je crois que ouais, c'est ça qu'on appelle, donc de Freezer. Moi personnellement je le trouve vraiment sympa, c'est la première fois que j'en reçois, donc c'est vrai que j'apprécie vraiment pas mal. Ensuite, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, un petit billet de 10 000 zenis. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai sur la fin du déballage tout ce que j'ai ouvert en gros plan, avec des zooms, etc. Donc là, je suppose que c'est un genre d'autocollant de la capsule corps. On va essayer de l'ouvrir, voir un petit peu si c'est possible de ne pas abîmer la boîte. Je voulais pas le sortir de la boîte, moi, je voulais le garder. Hop. Faire ça proprement. Et voilà. Ouais, donc c'est ça. C'est un petit autocollant de la capsule corps. Sympathique, c'est léger, ça peut être pourquoi pas le poser même sur ma tour d'ordinateur à la limite, ou je sais pas encore, je vais voir. Je le re-rangerai après. Ensuite, nous avons des petits pins Dragon Ball. Donc c'est pareil, on va l'ouvrir. Hop. Donc pareil, hein, j'en avais jamais eu de ça. J'ai encore un peu de scotch ici. Et voilà. Donc, alors, je sais pas si vous le verrez d'ici. Donc un petit Goku dans un avion. Nous avons ensuite un petit Goku sur une genre de petite moto, petite bicyclette, je sais pas trop ce que c'est. Et 2, 4, 6, la Dragon Ball à 6 étoiles. Donc les petits goodies et quelque chose d'assez spécial et sympathique de la part du vendeur. Voici un petit socle sur lequel je vais pouvoir mettre une figurine pour la faire tourner.
Elle marche sur l'énergie solaire, mais là j'ai pas de. Il fait pas trop de soleil chez moi, donc je vais voir déjà avec cette pile là, est-ce que ça serait pas trop mal. Ça a l'air d'être ça. Hop. Ah, pas pratique du tout pour y aller dedans. Ah, ça va être la merde. Ça va être la merde à mettre. Je sens que ça va être la merde à poser. J'arrive pas à mettre la pile à l'intérieur. J'ai pas de tendus en plus, c'est assez profond. Ok, c'est bon. Voilà, donc là, on a le petit socle qui tourne, donc ça tourne légèrement. Je vous montrerai avec une figurine juste à côté. Donc on va commencer le déballage. Maintenant, donc des figurines. Je pense qu'on va commencer par celle-là. Déjà, la boîte est magnifique, comme vous pouvez le voir. Là, le petit Goku, son Kamehameha, donc derrière, basique. Hein. Plastique, face et le dessus de la boîte. Donc c'est parti. Hop. Donc cette figurine a été achetée dans une grande surface. Leclerc, on ne peut pas citer la marque. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc la différence, je vous mettrai des photos comparées aux anciennes, enfin à la version originale asiatique. Il y a beaucoup plus de dessins. Je sais pas si on le voit bien là. Ça, c'est une version vraiment occidentale, il me semble, que j'avais vu sur internet. Donc la figurine tient déjà toute seule. Et le petit socle. Je sais pas à quel endroit il va celui-là. Donc je vous mettrai, hop, on va les poser là pour l'instant, je rangerai ça après. Je vais les poser devant moi pour l'instant les figurines, et à la fin je vous mettrai un plan large de tout ce que j'ai ouvert aujourd'hui. Comme ça, vous verrez, je vous ferai des petits zooms dessus pour bien voir les détails du personnage. Donc maintenant, nous allons ouvrir la C18. Moi je la trouve, déjà sur la boîte, je la trouve vraiment sympa. Regard assez agressif, le perso a vraiment la classe comme ça. Donc on va regarder ce que la figurine va donner. Hop. Donc la figurine est bien emballée, hein. Pas de problème. Est-ce que je peux la sortir de là? Donc ça se présente en 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc le socle, le haut du corps, bas du corps, la tête. Et je suppose que ça c'est un support. On va regarder ça. De sortie, les jambes, oh, le visage est vraiment sympathique.
Et donc le support. Alors, hein, toujours pareil, hein. On voit bien à travers. Donc, différence avec les faux, clairement, on voit pas ce qu'il y a écrit dessus quand vous regardez, on voit vraiment rien. Alors, le socle va ici. Peu de chance de se louper. Tac, tac. Donc, ça rentre parfaitement. Là, ça risque d'être un peu galère par contre. Ça risque d'être un peu galère. Parfait. Par contre, du coup, comment ça se fixe? Donc, le pied va là. Ok. Donc, c'est comme ça. Et le personnage est posé. Voilà. Oh, le personnage est magnifique. Vous verrez de... Ouais. Je ferai des petits zooms, vous verrez, les vêtements sont vraiment bien faits. Attendez, faites voir, je vais voir si... Voilà, mon sac qui tourne, donc est-ce que... Vous voyez, du coup je peux faire tourner mon personnage. Donc c'est sympa. Donc la petite C18, vraiment sympathique, hyper légère comme figurine. Très très légère. Quoi de spécial? Ben rien. Hop, elle a un petit truc sur la tête. Au niveau du détail des doigts, peut-être un peu fine. Je dirais peut-être ouais, la jambe. Fine, les mains peut-être aussi un peu trop, mais sinon vraiment classe. Le fait le petit collier sympa, l'effet des cheveux, j'apprécie, je trouve vraiment ça agréable, vraiment bien fait, franchement vraiment sympa comme figurine. Donc on va ranger ça. Hop. On va maintenant ouvrir, je vais garder le Vegeta pour la fin, meilleur. On va s'ouvrir maintenant la petite Goku Blood of Saiyan. Donc bah quoi dire, déjà la boîte elle tue, elle est vraiment sympa, les dessins, le personnage a l'air vraiment badass. On va regarder un petit peu ce que ça va donner quand on va le déballer. Donc c'est parti, bah dessus pareil, hein. Le petit symbole de là, de la Toei, descriptif, etc. Allez. Pour information, j'ai d'autres figurines encore en attente que je dois commander. Donc au fur et à mesure, j'agrandis les stocks. Je vais m'acheter aussi une petite vitrine pour pouvoir tout mettre dedans. Pourquoi j'arrive pas à sortir là? On va la sortir comme ça. Ça va faire comme ça. Alors, en trois parties, le corps, les jambes et le support. Donc on va ouvrir tout ça. Déjà les détails du perso, je le vois là, c'est magnifique. Le corps du perso est vraiment sympa. La tête est bien protégée, donc protection sur la tête. Vous voyez déjà les détails du corps, c'est énorme, c'est énorme. Pareil pour les jambes, la couleur magnifique et le petit support. Alors faites-moi voir un petit peu comment on va pouvoir sortir la tête. On va essayer de pas tout abîmer. Oh, il est monstrueux. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Forcer un petit peu. Pour le mettre, pour il est magnifique, il est vraiment magnifique. Peut-être le seul bémol, les cheveux et les yeux vachement brillants. Je sais pas si vous le voyez là, mais vachement brillant. Par contre, le personnage en soi, il est énorme. La couleur, les abdos, les pecs, enfin, franchement, là, vraiment magnifique. Très très belle figurine. Petite veine sur le bras, les vêtements. Bien abîmé et tout. Ah, franchement, non, elle claque. Par contre, là, c'est quel pied? Ça serait lequel? Ça serait celui-là? Non. Ça
ce serait celui-là. Alors, on va le mettre devant. Hop. Donc on va remballer ça. Et on va passer donc à la dernière figurine. La Blood of Saiyan de Vegeta. Je rangerai après ça. Bien sûr, Vegeta, mon perso préféré. Hop. Je vais vous montrer la boîte, Voilà, donc la boîte, hein, pareil que Son Goku, la même chose. Donc personnage derrière, devant. Côté vite fait. Et le dessus toujours pareil avec le petit symbole pour les tarifs. Hop là. Pareil, je vais pas montrer. Ouais, vous voyez, vous avez des numéros des fois de temps en temps ici. Alors, Vegeta. En 4 parties. Le corps, les deux bras et le socle. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Alors le petit socle. Les deux bras. Et donc le personnage. On va... Désolé pour le bruit, hein, si vous l'avez entendu, mon chien. Alors, c'est lequel le bras celui-là? C'est celui-là. Le bras gauche. Bras droit. On va bien les mettre. Et pareil, alors là, le détail des personnages est vraiment énorme. Pareil, même chose que Goku, par contre, les cheveux peut-être un peu dos, enfin, doré, c'est pas vraiment dérangeant parce que je trouve ça vraiment sympa. Les persos sont vraiment hyper beaux. Donc là, comme vous le voyez, le perso est monstrueux. Et donc le petit socle qui va avec, tout simplement. Hop. Et donc du coup, je sais que ça, par contre, ça va vraiment sur ce, sur cette jambe. Voilà. Voilà, donc je vous ai tout déballé pour cette vidéo. Il me reste donc encore 4 figurines de côté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me montrer que vous appréciez ce genre de vidéo. J'espère vraiment qu'une vidéo comme ça sera mieux que celle que j'avais fait précédemment. J'ai essayé de changer un petit peu la façon de montrer les figurines. Et donc là, je vais vous mettre carrément un plan global des figurines, ensuite avec des zooms, etc. Des photos pour la Goku pour vous montrer un petit peu la différence qu'il y a avec celle qu'on a normalement. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez des figurines, pour me dire un petit peu aussi ce que vous pensez de cette façon de filmer justement pour les unboxings, si ça vous intéresse, enfin si vous trouvez que c'est mieux qu'avant, ou si vous voulez que je reprenne l'ancienne version avec une caméra qui me vise moi et une caméra qui vise ensuite les figurines. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine !